plan pour tout le président Jovenel Moïse, il y a près de 200 personnes qui sont impliquées là-dedans. Il y a un journaliste, il y a un pile politicien, il y a un pile nègre dans le secteur privé, mais il y a deux picots figures emblématiques. Il y a toujours qui est devant de la scène, qui dans le secteur privé, nèg ça a impliqué jusqu'aux os. Dans l'assassinat, ça, et bien, je ne vais pas vous mentir, DCPJ a toute data. Moi-même, peuple haïtien, diaspora haïtienne, je vais dire nous être vigilants. Et nous avons une grande sortie pour nous faire. Nous avons une sortie pour nous faire. Dans la sortie, nous avons demandé à DCPJ de nous nommer qui financent l'opération pour tout le président. Alors, tandis, nous avons cherché John Joel Joseph, nous avons cherché Joseph Félix Badiou, nous avons cherché Juge Koch, nous avons cherché Bluff. Côté pour nous dire, on trouve le président de la République, qui côté pour nous venir plus facile en République Dominicaine, il y a plus facile pour venir. Ou pas, Junior? Ou pas, Junior? Il y a en Haïti, ou pas, Junior? Nous ne pouvons pas parler dans le téléphone même? Monsieur Félix, vous entendez? Pas mon peuple pour commis. Pas mon peuple pour macaque. Ou bien population. Si nous voulons rendre en justice, pour aller avec côté nous, pour aller chaque gagne, ou lapide. Même si on lapide président. Lapide chaque gagne. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui le ou abusez à nous, encore une fois, c'est un plaisir pour que je m'assemble avec nous. Et ça vraiment fait du bien, à chaque fois que je me connais, je vais partager mon moment avec nous et que je me connais, nous allons réagir à travers les commentaires. Je vais dire que je vais parler. Info Beto, Haïti Réflexion, je vais vous en pile. En attendant, GPPC Gabriel Paul Charles, parce que ça a vraiment dérangé et complètement dérangé. Tout de suite après, je vais jouer une intervention. Partagez vidéo, commentez, like, abonnez. Moi, je vous appelle. Entendez, GPPC. Donc, vous êtes obligé de même commencer l'opération. Ce qui est bizarre, Walter, mets mon titre. Ce qui est bizarre, nous suivons bien. Colombien était depuis à 3 heures du matin. Sous route là, yon pa jam attaque yo. Et opération pour lancer à 2 heures de l'après-midi. Ça veut dire presque, on nous dit 12 heures de temps, hein? C'est ça? Presque 12 heures de temps. 2 heures du matin jusqu'à 2 heures et 3 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, les bizarres. Un président fin mourir, tout policier au courant, des forces qu'il a, et puis on ne peut jamais attaquer les nègres. On nous dit, nous ne sommes pas des spécialistes de la guerre. Mais nous avons une petite intelligence, nous pouvons tout au moins réfléchir. Non, ça, nous comprenons. Et là, je n'accuse personne. Si les Colombiens ont été maîtrisés, zone pèlerin, la boule, etc., ils ont été baignés le temps nécessaire pour les sauver. Ils ont appris à tourner monter en machine. Yo. Soit on fait mon calvaire, soit on passe par Boutillier, soit on monte la boule, soit on fait 15 coffres, soit on passe dans la ravine de Nixon, comment ils ont ça, la ravine de Cototoa, et puis on va le parler Cafou. Mais si on n'a pas fait ça, c'est que n'y a pas de plan pour te courir. Vous n'avez pas préparé un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part qu'il y a des gens qui ne pas l'accompagner. N'a pas plus devant. Ça veut dire que nous avons une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand vous me dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée,
moun ki chef opération hein? C'est le commandant Vladimir Parizon. Mwen pa di m konn nèg sa. C'est tout nèg sa. C'est Parizon qui lançait opération. Contre nèg. Pendant opération, les deux Colombiens tombaient. Ma ban un petit chiffre ça toujours, mais ma ban un chiffre. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face sur partie ça bien à la puissance de feu que l'équipe Parizon a lancée, il y a un pile là qui jeté pour le cacher dans l'ambassade Taïwan. Et le lendemain, le soleil est levé, la police encerclée ambassade de Taïwan, après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublier, non. Ma bonne partie USGPN là. Bon, l'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous pouvez comprendre le bon bagage qui t'a passé. Et pendant Asoa, suis-moi bien là, vous comprenez. Ça veut dire pendant Asoa, ça veut dire beaucoup. Allez, nèg. Qui n'a pas sa taille, pendant à soi. Chef opération USGPN, il continue l'appeler de policiers. Parce que pendant Négo a tiré sous Colombie, sous Outaïna, côté OTEA, deux policiers USGPN étaient toujours en dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages. Et Colombiens, pendant ce temps, opération a fait là, chef opération par les nationales à lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération, hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Yo. Et bizarrement, pendant l'opération, il y a répond. Oui, chef. Et puis il dit, commandant, ça veut dire, la parle avec chef opération palais, hein? Et bien avec Badi Barizono, commandant, Colombien dit au pape Goumé, il a déposé les armes. Il a voulu négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération, pour un téléphone, il est Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois nous dans les GPN qui n'ont pas négocié. Il négocier. Faut camper l'opération. Et information, c'est une otage au Bali. Et comme Dimitri, comme chef lui-même, il a information, il est déplacé. Là, il n'y a pas raison qu'il a fait opération avec des CPA. Les Inegio, mais il y a des GPN qui n'ont pas Colombien au relais. Il y a possibilité pour Colombien de rendre tête parce que les Inegio n'ont pas goûté. Il faudra pour accepter un cessez-le-feu. Les Inegio font-il réfléchir? Les Inegio disent, ok, puisque vous prenez tête, on campe. Mais le Parizon a campé opération, il est toujours posté néglio et les snipers dans la même position stratégique sans que il pas dit l'autre nèg qui vient balle information ça pour camper ce self là. Ou comment a priori si, Parizon son stratège, monsieur pas voulait prendre un piège. Hein? Monsieur dit OK pas de problème, il suspend tiré. Nixon est digital pour garder ça. Effectivement, après un petit temps, très court, bon mercenaire
qui sorti. Il sorti avec une dans USGPN. À pied. De quel côté on a commencé? Quand on dit qu'il était pour tel monde, etc. Dans quel côté on a commencé? Un mercenaire sorti, un policier sorti. Il descend, il arrive devant Kidam. Il avait dit côté on a barré la position stratégique, côté on a mis des armes sur lui. Quelques minutes après, l'autre mercenaire qui sorti avec ou l'autre USGPN. Ça veut dire deux mercenaires sortis avec deux USGPN qui étaient retenus dans Ménégo comme otage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'otage dans Ménégo. Deux mercenaires, ça y est. Nixon. Walter et Magloire, qui a fait émission avec moi, deux mercenaires, c'est deux haïtiens. Il n'y a pas deux haïtiens que nous entendons, ils ont cité non. Ça qui t'a préparé pour dire, et ça qui t'a préparé pour FBI, qui parle créole là, qui t'a dit get back, non, on parle là. C'est aux deux. Là. Donc, ils ont voué un négo pour venir négocier. Léon Charles, par raison, tout est bédonné que ça y est, et puis tout récupéré de otages USGPN, et puis Nego dit, vous prenez mes armes sous Nego parce que vous avez des otages encore dans le monde. Vous campez là au fond de temps. Mais tête Nego, vous prenez mes armes. Et Nego tente toujours les. Quatre nègres arrivés au fond de titan parce que yo dit on cesse le feu nègres va prendre tête yo. Après une heure d'attente, la police dit il va le frapper, il va continuer. Qui t'aime dit non bagay avant frappe là, ça veut dire avant reprise opération. On va relancer deuxième partie de Assoua. Pendant l'opération, quand Neg USGPN qui était dans Ménégio relé par téléphone pour négocier, il a porté téléphone dans Léon Charles. Léon Charles dit, ma comprenne. Moui pas parler à Kassayan. N'est-ce pas qu'à finir sur le président et puis qu'on a vu pour le téléphone, moi, monsieur. Et pour protéger nos nègres, pas citer nos nègres, qui te porté téléphone dans Léon Charles là, parce que son nègre te bat téléphone dans Léon Charles dit, m'a comme ça. Suivez-moi bien là. Léon Charles dit, nègla, pas de bagaille comme ça. Et c'est à partir de ce moment, Léon Charles commençait à garder nèg USGPN de l'autre façon. Vous comprenez? L'a gardé nèg USGPN de l'autre façon. Et comme il était une unité avec elle, Léon Charles déplacé avec unité à la poste ou l'autre côté parce qu'elle dit pas comprendre comportement négro, mais on dit Léon Charles pas qu'on histoire que nèg était sous route etc. parce qu'elle pas comprendre, elle vient suspicieux parce qu'elle pas comprendre comment nèg fait gagner téléphone moun pour assaillant apporter apporter messager dans USGPN Mali pour lui-même lui capable parler. Le problème c'est que Dimitri n'avait jamais expliqué sa stratégie et ça expliquait aussi que USGPN était un bon et les autres unités étaient l'autre bon. Tu avais dit que tu as un problème entre unités, surtout que n'est pas les hauts qu'on est, c'est le plus gros chef. N'est pas les hauts qui ont fait personne, parce que depuis le président et sécurité, c'est le chef, l'autre monde barré. Tout n'est toujours besoin de travailler dans le palais. Et Nixon est capable de témoigner, ça m'a dit. Hein. Tout le monde n'est pas dans le palais comme si on ne travaille pas. Donc,
Léon est devenu rapidement très mal à l'aise. Et monsieur a repositionné parce que monsieur dit qu'il y a des gens qui ont passé mal là, que je ne saisis pas. Et monsieur a mis en position stratégique en cas de complot. La veille tout pour s'y paguer, rafale qu'a fait pour ne pas tout mourir comme directeur général. Parce qu'elle ne vit pas, parce qu'elle ne comprend pas. Parce que imaginez, pendant qu'on finit de tuer un président, et puis ça a rejoint le téléphone pour aller au monde. Pour mounan capable de parler avec elle. Bon, je suis obligé de suspect. Quand il y a des GR les soirs, il dit soit en dégage en engagé là. DCPJ, DCPA, toutes les gonettes, mettez en position. Et il faut me rappeler nous, même je sois ça, nous songez, Walter, tu as une information qui est circulée qui dit, tu as une CSPN spéciale. Que Claude Tabral fait et Léon Charles quittait l'opération pour aller dans CSPN spécial ça. Mais les policiers ont été sur place. Ok? Qu'on y a mes nouvelles. Qui gagne? Comme assassin bloqué, beaucoup de kidam. Non, calendrier à sa heure. Il n'y a pas de gain pour te bloquer, Burkina. Il n'y a pas de gain pour descendre net. Là où il y a bloqué Burkina, il y aurait les chefs. Qui c'est docteur Sagan? Selon les données disponible dans les dossiers classés relatifs à l'enquête. Dans même le ça, négocier ça non. Et on m'a dit ça non. Ça passe là parce que nous la police bloqué nous, c'est pas ça que tu dis. Toujours selon dossier qui classé à ça non, prend téléphone et le relais John Joseph Joël. D'après les relevés téléphoniques et des informations claires que nous avons de sources combinées. N'est-ce que vous avez dit, parce que vous avez dit, et parce que vous avez pour faire, n'est-ce que relais monsieur Badjo. Même là, parce qu'il est bloqué pour le demander, ça passe parce qu'il est bloqué. Quand il y a un même cap sur moi, on va poser toutes les questions. Hein, Walter? C'est pas moi. Maintenant, a priori, les ravisseurs, les Colombiens, les assassins, les tueurs avaient pour mission de se rendre, de continuer leur progression pour aller dans le palais national. Et opération négociée planifiée, bien planifiée, entre minuit et 1h30 du matin. Ne le ça. L'OAL a des dossiers positionnement la police. Ne l'air ça, ou pas besoin presque patrouille dans la rue. A bien, il y a deux patrouilles seulement. Pas bien moyen pour unité spécialisée, guettant mobilisée, pour faire face avec eux. Et, nek sa yo, tapre ale, m'pa konne si yo genye yon complicité quelque part, mais yo te genye pour yo aller et rentrer nan palais national. M'pa konne ki jan yo tapre rentrer nan palais national.
Femme dit nous. Kaye, président, selon dernière information que j'ai, tu es supposé avoir environ 30 policiers chaque soir. Pour capable défendre la résidence, pour le temps nécessaire.